nouvelle BD s'appelle Duel. C'est une adaptation d'une nouvelle de Joseph Conrad, qui avait fait notamment Au cœur des ténèbres, Lord Jim, Nostromo. Mais bon, là n'est pas la question, puisque c'est pas ce que j'ai adapté. Au début, j'étais parti sur un autre roman de lui-même, de Joseph Conrad, qui s'appelle Le frère de la côte. Mais l'adaptation aurait nécessité 400 à 500 pages. Et comme c'est mon premier album en solitaire, en solo, du coup, je me suis intéressé plutôt à ses écrits plus courts. Et je suis tombé par hasard sur Le Duel, qui est le titre de la nouvelle, le titre original, qui met en scène deux hussards qui, pendant 20 années, et toutes les guerres napoléoniennes, vont sans cesse s'affronter en duel sans jamais trouver de vainqueur. Et ce qui m'a intéressé dans ce texte, et ce que moi j'ai pu développer parce que c'est une adaptation assez libre, c'était de comprendre mais qu'est-ce qui les attirait immanquablement, alors que ils pourraient très bien faire cesser leur rivalité, qui a d'ailleurs une origine un peu obscure et triviale, enfin, qui n'a rien d'exceptionnel en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de se battre l'un l'autre ? Bon, j'ai réfléchi à me lancer dans l'adaptation du Frère de la Côte, ou d'une adaptation d'un autre roman, parce qu'il y en a pas mal qui me plaisent, pas forcément de Conrad, mais je trouve que c'est un peu risqué de m'y mettre tout de suite. J'ai pas envie d'être réduit à... Et même moi, dans ma pratique, j'ai pas envie de me réduire moi-même à un adaptateur, même si c'est libre, encore une fois. Et l'idée, c'est plus de disséquer la rencontre de celui qui va adapter avec tel ou tel texte, quoi. C'est ça qui fait finalement le point essentiel d'une adaptation. C'est pas juste relater, enfin, de transposer un écrit en bande dessinée, quoi, ça aurait aucun intérêt. Mais là, non, j'ai décidé de faire un truc d'abord tout seul par moi-même, pas de texte à adapter. C'était très impressionnant que Ridley Scott ait déjà fait ce film. Du coup, hors de question de voir. C'était surtout, j'avais peur d'être découragé aussi et de ne pas continuer. Et alors, après, il y avait un risque en ne le voyant pas si je ne paraphrasais pas trop le film ou si l'adaptation était trop proche. Du coup, là, c'était mon éditeur, Vincent, qui lui adore le film et était garant de ça. Ce qui était rigolo, c'est qu'en plus, des fois, il m'a fait changer des... Enfin, il m'a dit « Non, ça, le traite pas comme ça, je trouve pas ça pas si efficace ou quelque chose. » Et en fait, c'était juste parce que... Après, j'ai découvert en voyant le film que c'était parce que c'était trop proche du film. Depuis, j'ai vu le film, et ce qui m'a énormément soulagé, c'est que de toute façon, ce sont deux adaptations très différentes.